Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous le savez, il y a quelques mois, je vous ai présenté le Tinko Flores 3, un aspirateur laveur qui a certes quelques défauts, mais que j'adore et que j'utilise au quotidien. Alors, en attendant une hypothétique version S4, je vous propose aujourd'hui de découvrir le Jimmy HW8 Pro, euh, donc un aspirateur laveur qui a l'avantage d'être un petit peu moins cher puisqu'il coûte 349 euros contre 399 pour le Tinko. Et puis surtout, Jimmy euh, commence à avoir une petite réputation dans les aspirateurs. D'ailleurs, j'en ai testé et ça marche plutôt bien. Allez, place au déballage on a vu une brosse fluffy de remplacement puisqu'il y en a deux en tout. Cette brosse évidemment va servir à frotter, va servir à récupérer les micro-poussières et puis évidemment à récupérer l'eau projetée sur le sol. On l'a vu juste avant, c'est un panier en plastique qui permet justement de ranger cette brosse fluffy. Et là, le gros avantage, donc en plus de tout ce qu'alimentation, alimentation, on a une batterie externe avec ce modèle, contrairement au modèle que j'avais testé, donc le S3. Et c'est vrai que c'était un, un des défauts euh, qu'on que qu pouvait lui, lui reprocher, euh, c'est que bah, une fois que la batterie est à chaise, il faut la changer. C'est un petit peu compliqué de la ramener au constructeur. Là, c'est quand même bien d'avoir une batterie qu'on va pouvoir changer. Et en plus, alors comme elle est quand même moins puissante que celle du Tinko, c'est peut-être pas mal d'en avoir deux au okay. Au cas où euh, même si globalement on peut faire le ménage tranquillement avec ce produit. On fera un point tout à l'heure sur l'autonomie et le temps de charge du HW8 Pro. Personnellement je préfère une batterie interchangeable même si elle a moins de capacité euh, qu'une batterie qui ne puisse pas bouger. Alors c'est vrai que c'est une question qui se pose. Hein, euh, que vont devenir tous ces aspirateurs robots dont les, les batteries ne sont pas interchangeables euh, On le saura dans quelques années mais vu le prix des aspirateurs, euh, ça serait dommage de les jeter au bout de 5 ans. On continue, on retrouve le support sur lequel on va poser l'aspirateur pour la recharge et l'avantage c'est que devant ce support, regardez, il euh, y a une partie un petit peu plus haute qui va permettre en fait, lorsqu'on va incliner euh, l'aspirateur pour le recharger, on va facilement trouver la partie de recharge, ce qui n'est pas le cas avec le S3. Donc ça, c'est un point positif. Et comme c'est un aspirateur laveur, on va pouvoir également utiliser un produit de nettoyage et la marque fournit justement une, un flacon en fait à diluer dans de l'eau. Euh, donc ça vous fera quelques nettoyages. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre ce produit particulier, vous pouvez mettre n'importe quoi, euh, ça fonctionne très bien. Ici, on a des notices et à l'intérieur, on a une Petite brosse pour nettoyer bah, tout ce qui est brosse justement de l'aspirateur. Alors comment ça se passe en pratique? Ici on a le bac à eau propre, on le remplit de produits nettoyants avec le bouchon qui se trouve juste en bas, on l'ouvre et on le remplit d'eau. Et puis après tout se passe à partir de la manette, on a donc un bouton d'allumage et d'extinction, on a un bouton qui permet de régler la puissance d'aspiration, donc moyenne ou forte, et puis la gâchette qui va envoyer de l'eau. Et ça, c'est bien aussi puisque on va pouvoir arrêter l'envoi de l'eau, donc ça va servir d'aspirateur et pas forcément de laveur. Et une fois que la session de nettoyage est terminée, on va du côté du bac à eau sale, qui se trouve juste ici, on l'ouvre comme ceci. On a donc ici donc toutes les eaux usées qu'on va pouvoir jeter et on a en plus le filtre. A propos de la brosse fluffy, pour la retirer, ça se passe juste ici. Alors à la différence du S3, on ne va pas avoir un nettoyage automatique du rouleau, donc ça c'est dommage, euh, puisque la, le, la conception en fait de, 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 de ce produit avec l'eau qui est expulsée vers l'avant, on va le voir juste après, euh, ne permet pas le lavage automatique du rouleau. Et puis un petit mot sur la garde en plastique qui est assez basse, qui permet de récupérer donc la poussière et les eaux usées. À propos de la batterie, donc c'est une batterie interchangeable, ça c'est une bonne nouvelle. Côté autonomie, on est à peu près à 25 minutes à puissance maximum et 35 minutes euh, d'après mes tests lorsqu'on est à puissance moyenne. Et puis il faudra presque 5 heures pour la recharger. Toujours à propos de la batterie, on a un indicateur du pourcentage de batterie restante. Et puis, point négatif, lorsque la batterie est en charge, regardez, on a cet anneau lumineux qui reste en permanence, même lorsque la batterie est complètement chargée. Donc, non seulement c'est pas écologique, mais en plus, ça peut gêner visuellement. À propos du bruit, on est à 80 décibels. Et regardez, lorsque j'appuie sur la gâchette, c'est l'eau qui sort. Donc, ça, c'est bien pour pouvoir doser. Et ça peut être pas mal, justement, quand on a des tâches un petit peu incrustées pour pouvoir les attaquer un peu plus facilement. Et justement, c'est une question qui est revenue assez régulièrement avec le S3. Est-ce que c'est un produit qui est efficace pour laver le sol Alors, pour laver le sol de façon quotidienne, dès qu'il y a une tâche, hop, oui, effectivement, ça c'est plutôt pas mal. Euh, ça permet de, de laisser quelque chose de propre. Néanmoins, lorsque vous avez une tâche incrustée, c'est le cas juste ici, en relief, eh bien c'est beaucoup plus compliqué, même si on balance justement euh, un petit peu plus d'eau, euh, il va falloir passer pas mal de temps euh, avant que la trace ne puisse euh, bah, disparaître. Et dans les joints, là aussi c'est une question qui revient fréquemment, c'est très compliqué d'avoir les joints euh, avec ce type d'appareil. Mais finalement au bout d'un moment, et je pense que c'est grâce au jet d'eau qu'on va pouvoir bien localiser sur la tâche, on y arrive. Alors c'est sûr qu'avec une serpillère normale, en frottant, en appuyant un peu plus, j'aurais été beaucoup plus rapide. Alors l'avantage de ce produit par rapport au S3, c'est qu'on a une indépendance entre le lavage et l'aspiration. Et justement, donc on va tester avec de la farine, et on va justement tester les coins comme ça pour voir jusqu'où ça va. Donc je mets un petit peu de farine et typiquement avec le s3 si vous faites ça avec de la farine bah vous allez voir une sorte de pâté donc c'est pas terrible donc là je vais utiliser donc l'aspirateur c'est parti je me colle vraiment aux plaintes et c'est parti voilà donc il y a quand même une alors je dirais un petit peu moins d'un centimètre hein. mais évidemment ça ne va pas jusqu'aux plaintes alors on va essayer comme ça et non là non plus J'y arrive pas. Voilà donc pour les plaintes. Alors, même si c'est pas énorme, parce que j'ai vu pire, euh, faudra y aller avec un autre aspirateur et avec un suceur. A propos de la puissance, le constructeur ne communique pas sa donnée en Pascal, uniquement explique que l'aspirateur fait 300 watts et objectivement, d'après tout ce que j'ai pu aspirer, il n'y a aucun souci, tout type de poussière y passe. Mais l'avantage de ce type de produit, c'est surtout pour les liquides, que ce soit du lait, de la sauce tomate, tout ça c'est très bien ramassé, j'utilise plus euh, ce type de produit justement pour le nettoyage euh, des sols et puis pour ramasser du liquide que pour vraiment de l'aspiration. Côté poids, ça ne pèse que 16 kg, donc on va pouvoir l'emmener un petit peu partout, on va pouvoir le baisser aussi sans aucun souci. Alors ça passera pas en dessous d'un canapé, c'est pas possible, sinon le moteur s'arrête, euh, mais globalement il est ultra maniable, euh, il est même plus maniable en tout cas que le S3. Donc très facile à déplacer, franchement je trouve que c'est un point très positif. Et puis pour conclure, un petit point quand même sur la contenance des bacs, moins d'un demi-litre, c'est pas des bacs énormes, néanmoins contrairement à, au S3 justement qui envoie de l'eau en permanence, ça consomme moins d'eau, donc finalement euh, c'est peut-être tout aussi bien et ça suffit amplement. Alors tout à l'heure je vous disais que c'était dommage que l'auto-nettoyage ne se fasse pas automatiquement, alors pour la bonne raison, hein, si vous laissez une serpillière euh, traîner quelques jours euh, sans la rincer, sans la nettoyer, forcément, il y a des odeurs, et c'est le cas avec ce produit donc. Pensez bien à nettoyer le rouleau. En conclusion, le produit est moins cher, plus polyvalent, tout aussi efficace que le S3. Et côté point négatif, euh, effectivement, donc il ne s'éteint pas lorsqu'on est en train de le charger et puis il n'est pas auto-nettoyant. Mais globalement, euh, vu le rapport qualité-prix, je conseillerais plutôt ce produit-là que le S3. Si le produit vous intéresse, je vous le mets dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.